السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, je vais vous présenter un contrôle sur le billet numéro 3, deuxième semestre, module 1, physique-chimie, première année collège Biofer. Exercice numéro 1. إذا ممكن تخدموا هذا الفرض هذا في انتظار التصحيح في الشريط الموالي. Complétez les phrases par les mots suivants. Ne égale sortant serré comme co-circuit. Dans un circuit, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. La somme des intensités du courant entrant à 1 est à la somme des intensités du courant ou ne, si la loi dit. Dans un circuit en série, la tension aux bornes de générateur I est égale à la dit tension aux bornes des autres dipôles. Il y a quand on relie les deux bornes d'un dipôle par un fil de conducteur. Deuxième question. On réalise le schéma suivant. Voilà un schéma qui comporte deux lampes en série avec deux ampèremètres, la pile et l'interrupteur. C'est un montage en série. Tarkib al-tawali, les misbahin wa ampèremètrein wa amoud wa qati' tayar. L'ampèremètre à 1 indique 0,080 ampères. Quelle indication porte alors l'ampèremètre à 2? Pourquoi rappeler la loi? Et donc l'ampèremètre à 1 يشير الى القيمه ديال شده التيار 0,080 امبير. عطيونا اذا قال لك في السؤال انديكي كيل انديكاسيون شنو هي القيمه اللي غادي يشير ليها l'ampèremètre à 2 dans le même circuit. Troisième question pour chacun des cas suivants. Donnez la relation entre les intensités. Il y en a la figure 1, figure 2, figure 3, 3 nœuds. Il y en a chaque figure la relation entre les intensités. Exercice numéro 2. Dans le montage suivant, qui comporte un générateur, un voltmètre V1 et la lampe et un moteur. Le voltmètre V1 indique 1,5 volts. Question 1. Précisez la nature du montage, série ou bien dérivation. Je n'ai rien à dire de هنا هو هذا التركيب واش هو تركيب التوالي ولا التوازي. Deuxième question, placer les voltmètres qui permettent de mesurer les tensions aux bornes des autres dipôles. Attention, il faut respecter la polarité du branchement ou bien de l'emplacement du voltmètre. Les deux dipôles qui sont la lampe ou le moteur. Rappelez en toutes lettres la loi des tensions pour ce type de montage. Que veut la tension entre les bornes A et D? Faites le fil. Quelle est la tension dans les bornes A et D? Ou bien entre A et D. Cinquièmement, qu'indiquent alors les autres voltmètres? Il a m'aide à yushir le voltmètre in l'akharin. Exercice numéro 3. L'ampèremètre A1 indique 0,325 ampères. L'ampèremètre A3 indique 850 mA.
indiquer le sens conventionnel du courant électrique. Voilà, le schéma comporte une pile. L'on permettra à trois branchés dont la branche principale. L'on permettra à un et à deux branchés dont les branches dérivées. Transformer les milliampères en ampères pour étroit, يعني غادي نحولوا étroit le milliampère ou bien l'ampère. Quelle indication porte l'ampèremètre à 2? Pourquoi rappeler la loi, sachant que les deux lampes sont identiques? إذا هذا المصباح L1 و L2 متشابهين بحال بحال. إذا نتمنى أنكم تخدموا هذا الفرض هذا في انتظار التصحيح، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء. ما تنساوش ديروا جيم إلى عجبكم الفرض، وتابعونا في القناة لكي يصلكم الجديد.